Cool. Bon allez, c'est parti. Donc on y va dans cette fameuse salle. Parce que là derrière c'était un peu flippant. Oula. Tu l'as vu là le gamin à travers la télé? Ouais. Parce qu'il met... Non, c'est même pas à travers la télé, parce que la télé ça enregistre la même scène. J'ai des hallucinations ou c'est... Bah. Ah putain! Ah ouais, c'est dans la télé! Non, mais j'ai pas l'impression que ce soit que dans la télé. Oh là là. Non, non, c'est pas dans la télé. Enfin, il y en a dans la télé, mais ça enregistre aussi. N'hésite pas à allumer ta lampe, hein. Y'en ai pas. Ah, bon bah, n'hésite pas à ne pas l'allumer. Ça y est, on arrive dans la partie flippante du jeu. Y'a un truc qui t'a agressé, j'ai vu une espèce d'ombre. Ouais. Du perspicace. Perspicace. Tu vois comment? Je suis que le flingue. Ouais. Ah, y'a un corps là. Ah, bah, je viens de récupérer une arme. Il va y avoir de la baston. Oh. Ah. D'accord, ok, donc ceux-là il faut vraiment leur tirer dessus cette fois-ci. Ah merde, désolé, moi je t'ai filé un coup de cut. C'est bon, ils sont morts? Oh, ça va. C'était pas trop coriace quand même. Oh, j'ai un marteau. Ah, par contre, ça lag un peu chez moi là avec l'enregistrement. Oula, c'est quoi cette ombre? C'était pas toi, je crois. Non, non, c'était pas toi. De toute façon, je crois qu'on a pas le choix. Faut aller par là. Je sais pas s'il y a moyen de. Oh là. Waouh. C'est toujours flippant quand ton personnage il. Quand il. Il quitte le corps de quelqu'un d'autre. Tu vois le corps qui explose. Putain, franchement, j'ai pas envie d'aller aux États-Unis, moi. Pourquoi? Comme des grands. Putain, les magasins sont bizarres. Ah, les machins sont bizarres comme cette fois. T'as des. Alma! J'ai vu Alma! Ah, je l'ai pas vu. Et je la vois très rarement. Je l'ai vu tout à l'heure, mais. Au fait, toi, t'es déjà parti aux États-Unis? Ouais, il y a longtemps. Les magasins, c'était vraiment comme ça? Aussi grand que ça? Les shops, là? Ouais. C'est oh les... putain! Les malls là, ouais, c'est très grand. Hein. C'est très grand. Oh putain! Ah là là! Elle va m'énerver, ouais. Elle! Elle m'énerve déjà! Alma, ouais, je l'ai vu moi! Ouais, pareil! Ouais, hey, t'es dans ton dos, je dis, hein! Wow, le jeu s'accélère d'un coup. T'as vu tous les clés de verre autour hein. Ouais, le début c'est bien, ça faisait pas trop peur, mais là. Quoi? Ah ouais, putain, j'avais pas vu. Je pensais que c'était toi qui avais lancé le ralenti exprès. Ouais, moi je me demande. Putain, le ralenti, qu'est-ce que tu as avec leur. Ah ah ah! Y'a des spectres là qui arrivent. Je sais pas si elle tire à mi ou pas. J'ai peur de te toucher, je crois que je tire. Tu me diras, ouais, t'es déjà mort. Tire à mi, ouais, tu prends des dégâts? Enfin, tu vois ton écran devenir rouge? Ouais. Oh putain, derrière moi! Oh la vache, je suis mis sur combien? Ah ouais, effectivement. Ah putain, ça faut faire gaffe. Là, tu viens de me filer un coup de crosse ou je ne sais quoi là. De hache. De hache? Ouais, bah ça fait mal. Si tu pouvais éviter à l'avenir, ça me dérangerait pas. Bah, évite de me tirer dessus dans ce cas. Quoi que. De l'autre côté. Ouais. C'est pas évident hein, d'être précis avec des armes pareilles. J'ai que des armes semi-automatiques ou automatiques. Bon. En attendant, moi je fais le ménage. Hein. Ouais, j'ai vu ça, c'est très bien. Continue. Ah ouais, parce que toi tu t'en fous. Moi je m'en fous un peu, j'ai deux vies. Chaque fois. Ah. Ça. De l'autre côté comme. Ah, derrière toi! Viens, reviens, reviens, reviens! Non, c'est bon, je l'ai tué, mais. Restons groupis. Ouais, bon, j'ai point de courir après l'autre. Hein. Non, non, mais ça se trouve, c'est qu'un spectre alors. Ouais, restons groupés parce que je me sens pas le coup.
Bon alors déjà, dans les trucs qui me déplaisent, ouais, c'est le fait de devoir appuyer longtemps sur eux pour ouvrir une porte. Ne serait... Enfin, ils auraient pu faire en sorte que juste appuyer une fois sur eux en étant devant la porte, ça suffise quoi. Le fait d'appuyer longtemps, ça gâche un peu la dynamique du gameplay. Je comprends pas la logique du truc, en plus, à quoi ça sert. Et après, c'est cette foutue souris, là, je trouve que... On a l'impression qu'il y a l'accélération comme sous Windows, quoi. Si tu bouges doucement, ça bouge doucement, et si t'accélères, bah, ça accélère la souris. Alors 5-6, ah ouais, 5-6, ça permet de changer de grenade. Au final, j'ai toujours pas compris. J'ai une grenade explosive et une grenade électrique, peut-être. Wouah. En fait, quand tu parles, il y a le petit symbole qui s'affiche au-dessus de ta tête. Sauf que comme je t'ai muté pour éviter d'avoir le doublon, on le voit pas. Bon. Et on voit. Ah, la porte s'ouvre pas. Ah ah ah. Et ah non. Ah ouais. Elle est bloquée. Celle-là non plus. Non. Exit, y a l'exit. Bah, ah ou. Vas-y, ouvre la porte. On peut aller voir ce qu'il y avait là-dedans. Tiens, il y a encore un spectre là. Un lien psychique. Pas trop compris à quoi c'est ça. Tiens, une grenade pour toi. Ouais, je suis plein en grenade, tu peux porter que 4 grenades au total, 2 de chaque modèle. Donc je peux pas la prendre. Oh, j'en ai jeté une pour le fun, tiens, juste pour voir ce qui se passe. Ouais, bah ça explose quoi. Comme une grenade classique. Okay. Vas-y. Pousse, pousse. Pardon. Je vois, hein, faut aller par là. Quoi que j'ai vu en face, ah ouais, ils se font complètement atomiser. Fais gaffe, il va exploser. Oh punaise. Alors, où c'est qu'il faut aller? Ah bah par là. Là. Hein? Ah ouais. Là. Y'a un rat. Raté encore. Décidément, j'aurais pas les avoir. Ah, échelle. Ah, franchement, l'échelle, faut aller là-bas. Oula! Quoi? T'as vu quoi? T'as vu quoi? T'as vu quoi? Je sais pas, j'ai vu un spectre. C'est ce que j'entends. Oh merde! Désolé, Sixpack! Ouais. Je chie un peu dans le. Derrière nous? Ah ouais, bien vu, putain! Ah ouais, faut être super attentif. Oh, mais en plus, il débarque. Oh! Oh la vache! Ah, c'est toi! Tu m'as filé un coup de marteau, saucisson. C'est quoi que je prends? Oh putain! Ouah, sa maman. Il y en a combien, mais comme ça? Bah, c'est bien, moi j'ai un lance, j'ai un couteau de lancer. Merde. Ah, je sens que je vais crever. Tiens, tu veux exploser? Bah vas-y, explose. Connard. Il a bien explosé. Ah, oh, il a explosé le truc. Ah, en haut. Oh merde, j'ai lancé ma grenade comme une. Oh putain. D'accord, les mecs ils sautent. Eh ouais, désolé, j'ai fait le con. Ah puis en plus je suis tombé. Ah, oh, fais chier. Si c'est pas, faut que tu viennes m'aider, je suis par terre et en mauvaise santé. Derrière toi. Merde, désolé. Oh putain, tu gères. Ouais, je préfère à la limite les machins sur pattes. Ah, il y a une autre échelle ici, tiens, viens. Désolé, je suis monté sans t'aider, mais là, trop peur. Tu t'en sors en bas? Tu t'en sors? Ouais, j'espère que je te fais pas trop de dégâts, hein. Je tire un peu comme un con. Mais... Oh là, pardon. Alors, où est-ce qu'il faut aller maintenant? Ah, il y a eu... Pff, ouais, par là, je pense. Je suis pas trop sûr. Ah bah si, regarde, par là. Non? Bon, on en revient, je sais plus. Bon, je sais pas où t'es, mais... Dans le loot, je suis descendu. Ah bah t'es là aussi. Je sais pas ce que c'est que ces trucs bleus au sol, là. Ah bah, il y a des armes, là. Négatif, commandant. Oh, il y en a un en haut. Il y en a un autre, derrière toi. C'est bien, ils font bip bip, on les entend, parce que ceux qui font pas bip bip, ouais. Derrière toi. Putain, c'est fake. Ah. Ah ouais, tu peux te téléporter, ça c'est bien ça.
Oh putain, mais ça arrive sans cesse là. Wow, je supporte pas ces créatures. Derrière toi. Ah, les fais pas péter à côté de moi. Ah, j'ai plus de mun. Sans déconner. Putain, mais ça part vite en fait. Derrière toi. T'as deux mitrailleuses, t'as un fusil à pompe et une mitrailleuse là. Ah, ouais, mais je peux même pas ramasser. Je peux pas ramasser les. Mais ça s'arrête jamais. Les marteaux et ce genre de trucs là. Ouais, bien joué. Alors tu m'as dit. Ah oui, d'accord, bien. Ah, est-ce que eux ils ont jamais. Ouais, je pense que je vais. Je vais quand même garder. Non, je prends le fusil à pompe. Ouais, 12 munitions par contre dedans, je vais pas aller loin avec. Hein. C'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'à un moment donné il faut pas bouger quand même? Genre partir. Ah attends, il faut sûrement casser, viens voir. Voilà. Fallait ouvrir la porte ici. Ah, ça me plaît pas ces cris là. Là, c'est Alma qui a gueulé. Peut-être qu'elle se calme la petite, hein. Elle fait sa crise d'adolescence, en plus elle est enceinte. Moi je dis ça comme ça, mais elle est plutôt calme dans cet épisode pour l'instant. Hein. Parce que dans le deuxième. T'as tué un rat, hein? Et puis dans Fear 2, c'était pire que ça. Hein. Je te dis, mais j'aime pas les jeux comme ça. Ah, mais la lampe elle marche plus. Ah, si. Wouah! Ouais, salut ma capite. C'est elle là? Ah, ouais. On peut tirer si on veut. Non? Ah non, on peut pas tirer par contre. Oh putain. Je voyais mes armes, mais je pouvais pas tirer. C'est sympa. Je déteste. Ah, ouais. Les yeux, t'es plutôt sympa celle-là. Hein. Ouais, ouais, un peu space. En fait, y'a rien, mais on tire quand même. Ah, y'avait rien, y'avait quand même un monstre. Ah bon? Ah, tiens, oh la vache! Ouah! Faut pas me plaire ce passage. Prendre le fusil à pompe, hein, ça sera mieux. Bon, chacun un morceau de viande. Oh putain, j'ai rien vu, mais. Rien que le bruit et l'ambiance sonore. Eh, je suis debout, j'arrive pas à avancer vite. Non, c'est peut-être fait exprès. Ah ah ah! Ah bah, ils emmerderont moins ceux-là. Ah, c'est... il est gay ce jeu, hein, ça fait plaisir. Moi je regarde derrière, moi je regarde derrière. Moi je regarde pas derrière, moi t'es fou, trop peur. Putain, les jambons ils veulent pas. C'est quoi ce spectre là encore? Des fois, c'est toi qui as mis le ralenti? Non. Ah, d'accord. C'est pas rassurant. Je vais fermer la porte, on sait jamais moi. Ouais, vas-y. Hey, y a des armes. Ah, y a plein de trucs bleus comme ça là, je sais pas quoi ça sert. Y a des bras, des jambes. Un peu. Sacré boucherie. Hein. Des grenades dans un lavabo, n'importe quoi. Hop, moi je ferme toutes les portes derrière nous là. Je me tâte à changer d'arme quand même, hein, parce que mon arme principale, le fusil à pompe là, elle a que 11 munitions. C'est un peu juste. Je le sens mal. Très déjà... mal. Oh, attends, je prends des dégâts. Ouais. Il est juste à côté. Oh putain, ils sont chiants ceux là. Ça va, tu prends pas trop cher toi. Mais toi tu t'en fous parce que t'as infesté un... Ça a pas pété encore. Voilà. Oh la vache. En fait c'est un FPS hyper brutal hein. Y a pas de subtilité. Je pensais qu'au début il y aurait un peu d'infiltration ou quoi, mais pff, rien du tout. En plus, les mines, tu les gaspilles par paquet de 10. Enfin, les chargeurs, quoi. Mais ils vont se calmer, ces monstres, ces zombies, là. Ah, d'accord, tu peux faire des enchaînements avec... pas bon, ça. Allez, pète un peu, voilà. Oh, mais ça s'arrête jamais. Wouah, c'est insupportable. Bon, si tu trouves des mines, je suis preneur, hein, parce que là, je suis vraiment à sec.
Je regarde dans les congélateurs si je trouve pas des munitions, mais... dans les congélateurs. Ouais, bah écoute, hein, y a pas de logique dans ce jeu, donc... On peut pas l'ouvrir, cette porte? Non, bah une poignée pourtant, mais... Attends, je reviens, je vais changer d'arme, parce que là, je vais pas aller bien loin avec ça. Ah merde, y a plus le... Ah si. Voilà, un fusil mitrailleur quasiment plein chargé, 160... ouais, 140 munitions. Allez, c'est bon, c'est parti. Je sais pas si comme dans Left 4 Dead, la lampe elle a un effet. Genre si t'as une créature à côté que t'as ta lampe allumée, ça va la réveiller genre comme ah, les... Ah bah tiens, y'a un fusil à pompe. Comme les witch. Ah, en haut, fais gaffe, ouais. Ah putain, t'as de la chance toi, franchement. Pouvoir faire ça. Ouais mais non, je vais pas reprendre le fusil à pompe, je viens de m'en débarrasser, c'est con, ça va me faire perdre des munitions. Oh putain, mais c'est pas vrai, mais allez mourir. Voilà. Oh putain, derrière moi. Non. Ah attends, quand tu cours et tu glisses... Ah non, je pensais que quand tu courais et que tu te baissais, ça faisait un power slide. Mais non. Non, je crois pas qu'on puisse vraiment faire ça. Non, ça marche pas. Bon, je te suis, hein, je monte. Bah, t'es déjà monté? Comment ça, monter? Non, je crois que t'es plus haut que moi, déjà. Dis-toi, je sais même pas où il faut aller. Bah moi non plus, je te suis. Hein. Ouais, vas-y, bute-le. De toute façon, le jeu est assez linéaire, donc... faut pas chercher à comprendre, hein, t'avances. Pas trop de pression. On peut pas monter déjà sur ce truc-là. C'est pas prévu par le jeu. Ouais, ok. J'aime pas ce niveau, hein. Sincèrement. Encore un pompe. Merde, bon, je me suis débarrassé tout à l'heure. J'aime pas ce niveau. Hein. C'est en gare de chez Amazon à traverser. Hein. Alma. Je suis pas sûr que je dessinerai beaucoup mieux que ça quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des fanatiques qui ont envahi les entrepôts, qui ont mis des petites bougies à l'effigie d'Alma. Enfin... Voilà. Oups, désolé. Un peu pris pour un méchant. Non, ça va. Je trouve que le mouvement de la souris est ultra saccadé quand même. Ça, je déteste la prise en main. Voilà, c'est à Jericho auquel je pensais. Jericho, c'est un jeu, c'est un FPS. Il existe un antre de la folie. Qui est vraiment bien, du moins l'univers. Mais alors, par contre, le gameplay, il est à vomir. Ils ont fait un gameplay qui est prévu pour la console. Je sais pas si t'as déjà joué à Jericho. Non. Bah viens, monte. Attends, je bois un petit peu de thé. Oh, mais c'est beau ça. C'est la chaise de Alma, c'est ça? Quand elle était petite. J'ai peur. Ah non, c'est pas une chaise. Je sais pas si je vais te suivre, je vais peut-être te laisser te démerder en fait. Parce que compte tenu qu'on vient d'avoir plein d'armes et de munitions juste avant. Ouais. Des grenades. Ouais, allez, allez, viens. Voilà, il vient me péter à la gueule ce con. Regarde-moi ça. Ça valait vraiment le coup d'approcher, hein, sincèrement. Ah, il y en a autour qui commencent à approcher, je crois voir. Ouais, c'est ça. Oh putain, encore ces merdes. Mais barrez-vous, con de mime. Voilà, les grenades, il y a que ça qui marche. Il y en a encore. Putain, ils vont pas me lâcher, hein. Je trouve que Doom, en fait, comparativement, ça paraît presque moins bourrin. Ah, désolé, je t'ai piqué ton fry. Oh, les mines partent à une vitesse. Allez, explose, putain. Voilà. Ouais, c'est ultra nerveux comme jeu. Je m'attendais pas du tout à ce genre de jeu. Je m'attendais plus à un jeu un peu moins bourrin et plus en infiltration. Ouais. Il y a un œil sur le bouquin au milieu, j'ai cru voir, non? On dirait l'œil de Neverwinter. Oh ouais, on se calme. Eh mais ça s'arrête pas, hein. Attention. Ça arrive derrière. Ouais, mais moi j'ai plus de mine avec ces conneries depuis tout à l'heure.
Putain, mais on se bat contre des humains, on se bat contre... supportable. Alors attends, je vais chercher des mines, moi. Je t'avais un peu laissé dans la galère, mais... Je me tâte, en fait. Est-ce que je prends le fusil à pompe ou bien je reviens sur mon arme de base? Ah ouais, non, attends. C'est ça qu'il faut que je change, voilà. C'est un peu chiant, ce truc, changer d'arme tout le temps, chercher des mines et tout. Disons que tu prends pas beaucoup de plaisir. Autant dans Dead Space, c'est pas gênant, parce que ça fait partie de la mécanique, autant là, c'est gênant. Bon, finalement, j'ai repris le fusil à pompe. Mais tu peux mettre que deux chargeurs de 12 balles avec. Autant dire, c'est que dalle, quoi. Bon, moi, j'ai fait le ménage, hein, pour que tu t'attrapes de... Ouais, bah c'est bien, non, mais vas-y, hein, continue, n'hésite pas. Enfin, si t'as besoin de moi, tu m'appelles, hein. Tu peux pas porter beaucoup d'armes, tu peux pas porter beaucoup de munitions, les armes sont quand même assez limitées. Un petit peu frustrant quand même. L'explosion leur a grillé la cervelle. Il y a toutefois une chose que j'admire dans leur comportement. Leur goût pour la violence. Ce ne sont pas que des gribouillages d'aliénés. Je pense qu'il s'agit en fait... d'un message. J'en étais sûr. Viens, mon frère. Je commence à croire qu'il se passe quelque chose d'énorme. Mon petit dos aussi me le dit. Vous avez déverrouillé Fettel pour cette mission. Bon. Encore toi qui es fils préféré. Eh, mais ça fait 3 fois d'affilée, quoi. Ah bah écoute, moi je fais toujours... je fonce dans le tas, moi je tape dans le tas. C'est quoi les têtes de mort en dessous de ton nom? 5, 4, c'est le nombre de fois où on est mort, c'est ça? Parce que je crois que je suis tombé une fois au sol. Moi... Bah, ça c'est le niveau. Niveau 4 et 5? Toi t'es niveau 4, moi je suis niveau 5. D'accord. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas à quoi ça correspond, mais bon. Résumé du défi. Ouais, il y a des défis à faire aussi, des trucs qui servent pas à grand chose. Putain. Duo d'amis sur 33 minutes au lieu de 25. Ouais, bon, on a pris notre temps, hein, franchement. C'est con parce que pour bien fouiller et trouver tout ce qu'il faut, t'es obligé de prendre du temps. Je comprends pas cette course au chronomètre. Ça a pas de sens dans ce genre de jeu. À la nuit, tu le fais dans un autre mode arcade, par exemple. Mais là... Ouais, dans un mode type chrono. Ouais, voilà. Bon, a priori, ça c'est nous deux, non? Et c'est Alma qui communique avec eux. Sympa. En fait, Alma, ce serait notre sœur. Bah non, c'est... Enfin, je sais pas, il parle de mère. Une mère qui a le même âge que toi, quoi, à peu près, mais... Ou qui vieillit pas, je sais pas. À mon avis, c'est leur sœur, mais il l'appelle mère parce que... Bon. Je peux spoiler le 1 et le 2, hein, c'est pas grave. Non, bah, même dans le 1, même quand j'ai fait le 1 et le 2, j'ai pas tout compris ce qui s'était vraiment passé. C'est triste. Nakam, personne. Ils n'ont pas l'intention de laisser des survivants. Il ne peut pas y avoir de témoins. Il parle pas assez fort, on l'a pas entendu au début. Les ignares, ils savaient pas qu'ils allaient se réveiller. Mouais. Il fait un peu peur, hein, Kettel, quand même. Ah, voilà, on refait de l'infiltration. Ah bah non, même pas. Ah mais toi, t'es déjà parti, d'accord. C'est comme tu peux te téléporter, t'es toujours devant moi. Si tu te sens obligé de sauver cette femme, le plus rapide de passer à travers. Il veut sauver cette femme. Par contre, j'aime bien la dynamique des armes. Je trouve que les armes sont vachement nerveuses. Et le seul truc, c'est la précision avec la souris. C'est vraiment à vomir. À la
Ouais, quand tu zoomes, franchement. Oula, ça va? Oui. Non, comme ça pète dans tous les sens. Non. C'est plus cher. Allez, montre-toi. Oh, bah, tu veux tuer en bas. Le système de cover est pas trop mal encore. J'ai vu pire. Je fais un peu le tour. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es tombé au sol? Dépêche-toi. Ouais, j'arrive. Okay. Oh, mais moi j'aime bien que tu passes devant et que tu vois tous les trucs qui font peur et moi j'arrive derrière. Oh merde. Sacré déco, hein. J'avoue. J'aime bien la déco. Je referais bien la déco de chez moi aussi comme ça. Attends, t'as pas bien fouillé en bas? Il y a peut-être des trucs. Tu sais que moi j'ai besoin d'armes. À la différence de toi qui prend les autres là, en spectre. Bon, y'a rien. Ça m'énerve ce niveau, ce truc de temps là, parce que maintenant je me sens sous la pression du temps et j'aime pas ça du tout. Elle est full cette arme. Ouais, pareil celle-là aussi. 210. Ah, 210, il me semblait tout à l'heure c'était 175. Donc peut-être que quand tu montes de niveau, tu montes aussi en compétence des armes, enfin en capacité des armes. Et tu sais quoi? Cette partie fait partie de Fear 2. Ah, retour aux sources. Ouais. Il y a pas un sous-titre Fear 3 non? Genre Fear 3, retour aux sources, par exemple. Plus vite on la trouvera, plus vite on pourra passer à des choses. Ouais, je continue. Ces baraques là me font penser à Fear 2. Ouais, mais après ils ont peut-être. Oula, oh bah il a explosé lui. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais. Ouais, quand ça ressemble à Alma, ouais. Il s'échappe. Retournez au secteur 2A bêta. 2A bêta, tant que ça, à tes souhaits. Faut faire quoi? Faut descendre, tu crois là? Oh, il y a une nouvelle arme. Voilà, ça c'est une arme. Bon, je descends. Je sais pas s'il faut y aller ou pas, mais dans le doute. Ah, qu'est-ce que t'as pris? Il y a un Terminator là, juste en dessous. Alors déjà, les décors, ils sont faits de telle sorte parce qu'il y a besoin du couvert, non? Oh. Ah, c'est en mode rafale, d'accord. Je comprenais pas pourquoi c'est tiré pas en continu. Bon, faut savoir. Ouais, tu penses ça? Au moins, tu sais quand il reste plus d'ennemis. Hein. Le dernier, il est tout seul. Ouais. Bah, non, attends, il en reste pas mal, hein, oh. Il y en avait encore 3. Oh, mais c'est pas fini encore. Ah! Bon. T'as besoin d'une grenade? Ma grenade, mais ça a servi à rien. Un seul, hein. Tellement des hommes à terre. Hein. Arrêtez de découper. Je sais pas si tu peux tirer à travers les décors ou pas. Je laisse passer devant, hein, j'ai pris cher. Moi aussi. Toi, t'es au sol? Oh putain, c'est fake. Y'a plus personne, tu me confirmes? Ouais. Là, j'ai un coup plus puissant quand je suis à terre. Super, bah reste à terre en ce moment. Péril de gaz. C'est quoi le bouton là? Ah, établir un lien psyché. Ah, le cinquième mec, des grenades paralysantes, incapacitantes. Ah. Mais il est dans... Merde, il était de dos, on l'a pas eu. Derrière toi, il y en a un, fais gaffe. Voilà, là tu l'as. Putain, ces cris me font flipper. Je sais jamais si c'est des créatures, des humains, enfin... Après, je trouve que l'IA, elle a des réactions intéressantes quand même. Elle se planque, elle fait attention quand on lui tire dessus. Pas complètement stupide, il y a. Oh là là, un chargeur complet pour tuer un mec, quoi. Je suis vraiment pas bon.
Ah voilà, c'est ces cris qui me font flipper à chaque fois. Allez, passe saucisson, va, c'est pas vrai. Prendre 10 fois pour passer un pauvre muret en bois, c'est quand même le con. Mais... c'est pas nous les méchants, tue Alma, pourquoi il tue pas Alma d'ailleurs, hein? Ils peuvent pas. Oh, y'a un mec là-bas, je peux pas te le spotter mais il est là. Oh, non. Ouais, bien joué. Ça c'est bien, tu vois, ça c'est bien. Le fait que toi tu puisses le sortir sans couvert. Tu vois les ombres des joueurs ou pas? Enfin des ennemis? Comment tu sais qu'il est là toi? Parce que mon curse. Ah tiens! Qu'est-ce qu'il y a? Des mumunes. Ah oui, non, je grenade. Oh oui, il y a une monde. Armure puissance, ça me fait penser à un derrière nous monstre. Ah, j'ai voulu récupérer son corps. Il y en a un autre derrière si tu veux. Ouais, trop tard, je l'ai tué. Ah, mais il y a plein de gros gros depuis tout à l'heure. Ah, attends. Bon, je jette des grenades partout. Hein. De toute façon, il y en a plein par terre. Hein. Voilà, ça c'est fait. On bouge, on jette partout, on verra bien plus tard. Oh merde! Je crois que je jette très mal. Mais alors, quand... putain, le robot! Je sais pas où faut tirer le robot. Bah, je suis mort. Je vais avoir besoin d'aide. Si tu peux venir m'aider. Là, tu t'en sors. Je suis à deux doigts de mourir si tu viens pas m'aider rapidement. C'en est fini de moi. Merci. Merci. Oh, bien joué. T'as eu le robot, je crois. En fait, j'avais récupéré des armes, mais j'ai carrément chié en les utilisant. Enfin, des grenades. Je suis pas un très bon lanceur de grenades. Voilà pourquoi il y avait des caisses partout avec des armes et des munitions. Ah ouais, il y avait plein de grenades ici aussi. Merde, j'avais pas vu. Bon, tant pis. L'essentiel, c'est de s'en être sorti. Il y a un gros trou à la place de la porte. Mais attends, j'ai plein de grenades maintenant. Y a... c'est con, ils auraient pu mettre en bas à droite sur les grenades le type de grenade que c'est, ou du moins à quoi elles servent. Parce que là, ok, j'ai trois types de grenades, mais je sais que j'ai les grenades explosives. Après, j'ai les grenades qui sont bleues. Bon, je sais pas à quoi ça sert. Et puis les grenades en forme de boule. C'est pour jouer à la pétanque. C'est con ce jeu. Ouais. Mais toi tu passes toujours devant donc forcément tu les vois. Bon, y'a rien. Des choses dans l'autre salle, non? En fait on va retourner voir maman. Ouah. Non mais tu peux pas la tuer, ouais c'est... là tu l'as vu. Ouais je l'ai vu mais je cherche même pas à lui tirer dessus, de toute façon ça fait partie du script. Ouais, ouais, bah le script dit qu'on marche en ralenti là. D'accord. Il y a un côté découverte, observation. Oh! C'est moche. Hein. Je casse les vases parce que je supporte pas ce genre. I hate you! I hate you! Sympa. L'ambiance est bonne, l'utilisation des filtres, des effets, tout ça est vraiment pas mal, hein. Franchement, il y a des bonnes idées dans le jeu. Oh, tu restes ouverte la porte. God help you. Oh, une chambre d'enfant avec un berceau renversé. Ça me fait penser à Max Payne. La scène du début où t'arrives dans la... oh putain! Ah, tu l'as pas vu toi? Je suis fait agresser par une espèce de ventripotent créature avec une gueule à la place du ventre. Mais ouais, ça fait penser un peu à Max Payne. Quand tu regardes bien. La chambre pleine de sang. Enfin, la séquence où il est en trip. Je me casse. Derrière toi. Ouais. Hey, t'as entendu la voix ou quoi? Ouais, j'ai entendu que ça parlait. Ouais. Derrière toi. Nous tous les monstres. La séquence avec le Max Payne qui est en triple là sous la Valkyrie, je crois de mémoire, hein, c'était ça. Wow, et il revoit le meurtre de son bébé et de sa femme. Wow.
C'est vraiment bien ce jeu n'empêche Max Payne. Putain, la première fois que j'y ai joué, mais ça m'a fait un effet de fou. Toi, t'as d'aller dans la chambre. Non, j'ai trop peur. Par contre, ce qui est marrant, ah si, on voit notre ombre aussi. Ça, c'est bien foutu quand même. On voit aussi nos pieds. Ça, je trouve, ça... c'est des petits détails, mais ça rentre dans l'immersion quoi. De l'ombre dynamique de notre corps et du corps de le deuxième joueur, c'est vraiment bien foutu. Ouais, c'est gay comme endroit, dis donc. C'est rouge. Mais attends, on en vient pas de là? J'ai l'impression que si, non. Par contre, ta caméra qui commence à devenir noir et blanc, là. Oh, qu'est-ce que c'était que ça? Putain, il y a des spectres et des ombres de partout, c'est flippant. Ah, voilà, je savais bien qu'il y avait un truc derrière. Il m'avait semblé voir quelque chose bouger. Ah, regarde la boule, ce qu'elle fait. T'as vu? Tiens, DS, il faudrait voir un truc. J'ai bien... J'ai peur. Bah viens, suis-moi. Mais tu vas où? C'est par là qu'il faut qu'on aille. Eh oh. Ah, mais tu descends, toi. Il y a un sous-sol. D'accord. Ouais. Toi, t'as peur, mais tu descends encore. T'as pas l'impression que plus tu vas aller dans les profondeurs, plus ça va être de pire en pire. Ah, y a une ombre, là. Je te cut, moi, l'ombre. Je suis un ouf. Bah, j'ai vu la même chose. Oh ouais, tu vas pas m'emmerder toi, tiens crève. Ah, y'a un bug. Ah non, c'est un couteau. D'accord. Bon, moi je veux bien hein, qu'on descende en bas, mais... On remonte. Ouais, je crois qu'il y a rien. Si ce n'est des sacs poubelles et puis une lumière bleue un peu bizarre. Bon, où c'est que qu'on est en train d'aller? Ah, 4, 5, 3, 4, 5, ça sert à choisir les grenades. D'accord. Ah, c'est pas mal ça. 3, 4, 5. Tu vois du monde? Ah oui, d'accord. Ah, mais c'est pas le même sous-sol là. Oh, j'aime ces effets. Ouais, moi aussi, je t'aime. Bon, mais il faut sortir, non? J'aime bien tous les nounours qu'il y a. Ouais. Ça fait penser un peu aussi à Dead Space dans l'esprit avec les passages où chacun voit des trucs différents. Bon, mais je sais pas où faut aller. Mais là, la seule différence, c'est qu'on voit tous la même chose. Ouais, mais on regarde pas au même endroit. Faut remonter, c'est ça? Ou j'ai pas compris? Ah, t'es là. Ouais, par contre, je sais pas par où. Ils auraient fait un truc comme Left 4 Dead où on voit pas l'ombre de son coéquipier, ça aurait été pas mal aussi. Pour être encore plus immergé dans le jeu. Fusil à pompe, ouais, bon, ça, on s'en fout. Attention, je quitte mon corps. Ah non, ça va. Faut pas passer derrière. Ah, on monte. On monte à monter. Putain, mais j'ai l'impression qu'on vient dans... Ah ouais, je suis en... Ah ouais, faut peut-être aller par là. Coucou, Alma. Waouh, c'est quoi ces tâches, là? Oh putain, c'est flippant. J'aime bien l'homme. Je dois avouer qu'en termes d'ambiance, quand même, ils ont fait fort. Graphiquement, c'est pas le jeu le plus beau que j'ai vu, mais l'ambiance. Et c'est l'ambiance qui donne. Totalement démoniaque. Quoi. Ah punaise, vilaine Alma. Ouais, c'est trop loin on doit aller sauver Alma. Je sais pas trop, mais ah, y a du monde. Attends, on se les fait. Instinct, contrôle, discipline. Merde, j'espérais me les faire en headshot un par un, mais ça marche pas le headshot. Pourtant, je peux te dire que j'ai visé la tête, hein. Bah, j'ai des griffes. Pas quelques munitions là? Putain, les mecs, vous pourriez vous trimballer avec des mines quand même. Pensez à moi. La famille soit celle de Dieu parmi les hommes. Bienvenue. Ouais, les effets d'ombre et de lumière sont quand même superbes. Ça arrive. Ouais, vu. Oh, le magnifique lancer de grenade qui a servi à rien. Moi je cours, hop. Ouais, faut utiliser le couteau en fait pour faire des économies. Ouais, t'as raison en fait, il vaut mieux courir parce que... C'est vrai que c'est qu'à courir aussi on va se taper dessus parce que moi je te confonds avec des monstres des fois.
Ah, tu peux faire des enchères. Ah, c'est toi. Eh, hey, arrête de me taper. Je suis quasiment mort, hein, pas de blague. Ah, je te tape pas, moi. Ah, j'aime beaucoup ça aussi, le fait qu'en fonction de l'endroit d'où tu tapes... Enfin, si tu tapes dans le dos d'un ennemi, par exemple, ça va donner un coup de couteau dans le dos. Mais vraiment, tu vois le coup qui est différent. C'est des petits détails, mais... Ouais, ils ont vraiment pensé à pas mal de choses que tu vois pas dans d'autres jeux, ça, j'aime beaucoup. Après, je trouve que la prise en main, elle est quand même médiocre. Waouh. Derrière toi. Oh, putain. T'es en train de te faire bouffer par un truc bizarre, là. Ah. Ah. Vous pensez qu'elle est innocente, effrayée? Je réponds qu'elle n'est que rage, hors de tout contrôle. Boah. Bouh. Eh ben, ça... qu'est-ce qu'on s'éclate. Vu l'heure qu'il est, en ouais. Plus, c'est bien le jeu qu'il fallait. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai des informations importantes qu'il faut transmettre, mais les escadrons de la mort d'Arpacam sont partout. Et impossible de se déplacer à la surface. Oublie donc la fille. La sauvée ne te débarrassera pas de tes démons. Elle est absolument insignifiante par rapport à ce qui se passe autour de nous. Par rapport à la raison pour laquelle nous sommes retournés dans cet endroit. Ah ouais, t'as raison, hein. Ils disent retourner, ça veut dire qu'on revient là où on est. On était dans le 2. Puis suivez les galeries de service qui pénètrent dans la ville. C'est le seul moyen sûr de m'atteindre. Lorsque j'avais 10 ans, mère est entrée. T'as un décalage entre le son et l'image, toi? Elle apprenait à échapper à son confinement. 6 jours plus tard, nos chers amis... Genre quand il parle, les lèvres bougent en même temps que le texte. ...en éteignant ses appareils de soutien vital. Ces personnes, ces survivants, elle les a touchés, eux aussi. Non, moi, non, j'ai pas de décalage. Ouais, il y a eu un léger décalage à un moment, c'est pas très grave. Playground! Scenic View. Ce nettoyage est plus qu'un simple cauchemar côté relations publiques. Ce qui nous importe est de réussir à contrôler une chose effroyablement puissante. Ah la tronche que tu tires. Il a le style, hein, mon mec. C'est un mix entre Wolverine et Russell Crowe. Bon, mais va falloir carnager. Oh putain, j'ai été repéré, merde. Oh, y'en a un. Ah, t'es déjà au sol, toi? Merde. Là, je pensais pas te... Oh, là, c'est vrai. Ah. Oups, j'ai jeté la grenade et ne reviendra les pattes, je crois, fais gaffe. C'est peut-être la grenade que j'ai jeté encore une fois. Ah, y'a des munitions en face de moi, tiens, je vais essayer d'y aller. Voilà. T'as besoin d'aide? Tiens, y'a un. Bon, oh. Y'a un bruit bizarre, ouais. Ah, un Terminator! Oh putain, je prends des balles! Ah! Dans mon dos! Il y aurait du monde. Ouais, il y en a un là-bas. Dommage qu'on puisse pas pointer aussi. C'est pas plus pratique. Bon, attends, je vais parce que là, je fais rien. Ouais, mais tu joues bien en fait, parce que moi, comparativement à toi, je fais de la merde. Oh putain! Ça va, Sixpack? Toujours debout? Ah putain! Je déteste! En fait, j'ai tellement l'impression que c'est pas dans le jeu mais que c'est dans la vraie vie, j'ai l'impression que ça hurle dehors quoi. Bon, ok. Ils deviennent plus puissants. Non, ça te fait pas cette impression à chaque fois? C'est
Système de navigation et d'armement activé. Protocole de sûreté désactivé. Vous pouvez ouvrir le feu sur toute cible ennemie. Tiens, dis-moi, tu peux utiliser un mecha. Ah ouais? Ouais, toi. Je vais venir, attends. Je suis en train de ramasser des munes. Ah, un fusil sniper. Bon, l'arme qui sert vraiment à rien, quoi. Cadence de tir zéro, le temps de viser, il faut une plombe. C'est useless, quoi. Ils ont vraiment fait une arme qui sert à que dalle dans le jeu. Alors, attends, comment t'es passé? Par les caisses. Ah oui, c'est vrai, il faut... Et joujou. Ouais, joujou. Ah, faut rester appuyé sur eux encore. Oh, on a l'air bien là-dedans. Pousse-toi. Alors, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Comme de toute façon le décor il est destructible quand ça nous arrange. Allez, je casse la porte. Non. Ah ouais. Non mais en plus il fallait vraiment faire ça quoi. Je fasse quand même attention aux grenades à mon avis. Et aux vases, c'est important de pas casser les vases. Là. Hein? Je casse un mur où? Okay. Ah non, d'accord. Moi je l'ai cassé avec 3 balles. Et qu'il y avait 3 fois dessus, ça a pété le mur. Ça, c'est bien, ça lock les ennemis aussi. Ça c'est pratique. Je sais pas si j'ai munitions infinies ou pas. Ah, c'est un peu tout pourri. Attends, t'es par terre hein? Si t'arrives. Non, y'en a un pour toi. Quoi, un autre robot, c'est ça? Parce qu'il s'affiche en rouge sur mon écran. Oh la vache. Combat de titan dans un appart. Ouais, c'est clair. En plus, on est dans un appart, quoi, le truc. Ouais, mais il tire au laser, comment il fait? J'ai pas le mode laser, moi. Je vais prendre cher, hein. Vas-y, n'hésite pas à lui tirer dessus dans le dos. Si je te touche, tu me le dis. Ah, je crois que c'est bon, il est mort, non? Ah, il a pété. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces créatures? Ouais, en fait, au fur et à mesure que je tire, la température des lance-patates, là, des lance-roquettes, elle monte. Donc je peux pas tirer indéfiniment avec son petit. Lui il avait un laser. Ça vient de se fermer juste derrière nous, super. Bon, moi y'a aucun bouton qui sert, je peux pas me baisser. Ah, espace, ça permet de. Je sais pas quoi faire, mais ça permet. Ça permet d'attaquer au contact, j'ai l'impression. Ouais bah tu peux te calmer parce que j'ai entendu un monstre. Ah ouais quoi. Pardon, ah non mais je te ferai peut-être un peu au passage. Aïe mais... Oh non, non pas ça. Je devais laisser les dieux pour seuls héritiers. Bah à droite non? Non y'a rien. Ça fait un peu Splinter Cell aussi, à te regarder comme ça avec les yeux rouges qui brillent. Mais ces héritiers sont devenus des monstres. Allez, ça, c'est moi ça. Ça peut être toi. Putain, ça monte à 400 degrés quand je tire un missile. Wow. Qu'est-ce qu'on fout là? Ouais, grenade sur moi. Aïe, aïe, ça pique. On a apparu sur la zone là. Bah non, moi je nous ai vu arriver. Enfin, on était dans le monde d'Alma et. On est revenu chez les gentils humains. Non. Non, au niveau de la. Oh merde, désolé. Niveau d'énergie au-dessus de la normale. Extinction immédiate et diagnostic recommandé. Ah, désolé. Ouais, calme-toi. Ouais, désolé. Bon, en fait, c'est une arme qui est quand même pas très précise, donc ça commence à tout faire péter. Mais pourquoi tu passes devant? Je suis quasiment immortel avec cette arme. Ah, merde, désolé. Je
crois qu'il faut que je quitte mon corps là, non? Je pense. Je sais pas, je vois pas comment on quitte. Faut peut-être maintenir E. Ouais, c'est ça. Avertissement. Niveau d'énergie au-dessus de la normale. Genre le robot il est pas capable extinction de monter ce tout petit muret quoi. Non mais sans déconner. C'est quoi ce passage hein? Oula. Attends. Eux ils peuvent passer à travers et pas nous. Qu'est-ce qu'il fait Sifpike? Je suis là. Ouais mais tu passes pas. Tu peux passer là? Non, faut attendre que l'électricité s'arrête. Grenade. Ouais. Encore un passage qui me plaît pas. Avertissement. Niveau d'énergie au-dessus de la normale. Extinction immédiate et diagnostic recommandé. Ouais. Ouais, pop. Ouais, même à couvert, on prend quand même pas mal de dégâts. Hein. Avertissement. Niveau d'énergie au-dessus de la normale. Extinction immédiate et diagnostic recommandé. Oh. Je te l'ai dans la tête, t'es mort même. Je ne sais pas, c'est tout. Ouais, bon, je pense que j'ai tout ramassé. Oh, regarde en face. On peut pas lui tirer dessus encore. Y'a Memento là qui est en face de nous, faut le tuer. Non, peut-être pas lui tirer dessus, regarde autour s'il y a pas un truc à faire. C'est quoi? Ouais, faut tirer dans les générateurs. Oh merde, je suis mort. J'ai même pas compris ce qui s'est passé. Ah mais là il m'a même pas laissé l'occasion de me relever quoi, cache. Ouais. Appuyez sur 1-4 pour effectuer une attaque de mêlée. Ah d'accord. Swig. Bon, alors faut tirer dans les générateurs. Hein. Quoi ? Pas trop bien compris. Oh merde ! Oh, qu'est-ce qu'il fait là lui ? Qu'est-ce qu'il dit qu'on se rende là, qu'on a aucune chance ? Oh putain, j'arrive pas à m'infiltrer en douceur. Ça marche que dalle ce jeu. Derrière lui, je sais pas s'il y a un truc à faire spécifique. Oula, bien joué Sixpack, je sais pas ce que t'as fait mais... J'ai pété tous les transfos. Ouais, je me doutais que c'était un truc comme ça. J'étais pas sûr. Oula, c'est ça, y'a plus de courant dans le coin. Bah non, ouais. Tranquille. Ah, par là. Ouais, attends, je ramasse des mines parce que... Je sens mal les couloirs là. Ouais, un petit couloir sombre. Ah ouf. Ah c'est là. Chargement. Bon bah on a juste pas été bon sur ce coup là. À mourir là, bêtement. Raclé à la mairie, succès déverrouillé. Ah bah voilà, on a retrouvé la demoiselle qui nous attendait. Je croyais qu'elle serait contente. Je savais que tu reviendrais me chercher. T'étais où, putain? Ça fait rien. J'ai quelque chose qu'il faut que tu vois.